to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh-oh, oh-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh, I keep asking why. Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien, je suis super contente de vous reprendre. C'est vrai qu'on vous a fait un vlog du mercredi, notre journée à la neige, mais j'avais eu un rendez-vous et je vous avais pas fait le retour en fait du rendez-vous que j'ai eu d'échographie. Donc c'était mon rendez-vous du quatrième mois, c'était un rendez-vous de contrôle en fait, tout simplement. Et on voulait deviner le sexe aux échographies, donc on a pu regarder, on voyait tout ça. Et donc du coup on va préparer notre gender reveal là pour très prochainement. Il y a la maman de Romain qui fait le déplacement du Nord-Pas-de-Calais avec le petit cousin d'Elias pour faire une petite fête entre nous. Ça va être super sympa, du coup j'ai trop hâte. Et d'ailleurs aujourd'hui du coup on va voir pour acheter quelques petites choses pour la décoration de la gender. Je trouve ça super sympa ce type de fête. C'est vrai qu'en France c'est pas très connu. Personnellement pour mes deux précédentes grossesses je l'ai pas fait, et je trouve que ça apporte tellement quelque chose. Et le fait aussi que là cette fois-ci on vit cette grossesse tellement sereinement, je trouve que ça ajoute quelque chose. Et j'adore genre les baby showers, les trucs comme ça, je trouve ça génial. En tout cas les Américains ils ont beaucoup de goût et ils font tellement de fêtes, sont très joyeux, et je pense qu'on devrait s'en inspirer et faire des petites fêtes comme ça. C'est super sympa de fêter l'arrivée d'un bébé finalement, et j'adore. Donc voilà, donc on va faire les petits achats aujourd'hui, d'un petit peu de déco. Je m'y prends très très tard, je m'y attendais pas d'avoir le sexe maintenant, je pensais l'avoir à l'écomorpho. Pour Eden c'était le cas, Elias c'était quasiment pareil. Donc j'ai eu le sexe à chaque fois un peu tard. Donc je m'y attendais pas en fait. J'y allais en me disant oui pourquoi pas, mais je m'y attendais pas vraiment. Et du coup j'ai contacté plusieurs personnes pour essayer d'avoir un gâteau, parce que je veux un gâteau pour cette petite fête, sur le thème de la gender. Donc je pense qu'une semaine avant c'est un peu tard de commander un gâteau. C'est vrai que du coup je m'y prends un peu à la dernière minute. J'espère quand même que je vais trouver, si jamais j'essaierai de le faire moi. Mais voilà, j'espère quand même trouver quelque chose. En tout cas le rendez-vous du quatrième mois c'est très très bien passé. On a un petit bébé qui est hyper vivace, il nous a fait trop rigoler. J'arrivais pas à m'empêcher de rire. D'ailleurs on voyait plus à l'écho, mais il nous faisait des trucs comme ça, genre avec ses mains et tout. Enfin bref, c'était trop drôle. Il bouge énormément, il est hyper vivace. D'ailleurs je le sens très très bien bouger depuis le 27 décembre. Et là de plus en plus, c'est vraiment tous les jours, c'est super agréable. Au niveau du poids, je n'ai pas pris de poids en fait. J'ai juste repris le poids que j'ai perdu au premier trimestre. Donc au final j'en suis à mon poids initial de 55 kg. C'est très bien, c'est parfait. Moi, pour moi 55 kg, c'était vraiment mon poids idéal. Donc j'étais très contente d'avoir pris du poids avant de tomber enceinte. Donc voilà, donc maintenant si je prends 1 kg par mois à peu près, ça devrait être ça jusqu'à la fin de la grossesse. Je suis pas quelqu'un qui va grossir beaucoup pendant ses grossesses. Donc voilà, mais en tout cas petit bidou, regardez, il commence vraiment à bien sortir. On peut vraiment bien remarquer le bidou qui sort, surtout avec cette robe là. Voilà, franchement je suis super contente et j'ai trop trop hâte de faire découvrir du coup le sexe à nos familles, et surtout de voir la réaction d'Elias. J'ai vraiment trop trop hâte. Ça va être soit un parce qu'il veut vraiment pas de sœur pour le coup, ou soit un grand sourire et une explosion de joie si c'est un petit garçon. Donc on verra bien. Bon, je vous reprends à la maison. On est allé du coup chez Fête et Recevoir, et franchement on a trouvé tout ce qu'on voulait. Je pensais vraiment pas. Je me suis dit bon, c'est quand même des fêtes qui sont pas c'est pas vraiment commun en France. C'est vrai que c'est vraiment depuis l'émergence des réseaux sociaux où vraiment c'est arrivé en France, les baby showers, les gender reveal, tout ça. Donc je pensais pas en trouver autant, donc je suis très contente d'avoir trouvé tout ça. J'ai fait juste quelques petites commandes sur Amazon et sur My Little Day qui livrait vraiment très rapidement, parce que c'est vrai que du coup nous on fait ça la semaine prochaine, hein, ça fait vraiment très restreint en termes de temps. Pareil, j'ai écrit à une dizaine de personnes pour un gâteau, des petits cupcakes, tout ça, pour essayer d'avoir tout ce qu'il faut. Donc j'espère que j'aurai des réponses et que je pourrai avoir un gâteau pour la semaine prochaine. Franchement, je croise les doigts. Pareil, on va aller à la boutique Haribo. Il y a une boutique Haribo sur Marseille pour acheter des bonbons. Donc j'ai acheté des petites bonbonnières et tout, je vais vous montrer ça après. Et voilà. Donc d'ailleurs, c'est des choses que je vais pas mal réutiliser, je pense. Enfin, pas tout.
Mais en tout cas les bonbonnières, l'arche de ballon, je vous montre ça après, parce que bon, pour l'anniversaire de Elias qui est en mars, et aussi on va également faire une baby shower. Bon, la baby shower normalement je crois que c'est avant l'arrivée du bébé, mais nous on souhaite le faire à son arrivée pour fêter son arrivée. Je veux pas que ça nous porte le mauvais oeil, en fait ça me fait trop peur. Moi je suis quelqu'un qui psychote beaucoup, donc voilà, on fêtera son arrivée, on le fera voilà, dans les 15 jours qui suivent son arrivée, et je pense que ça peut être super sympa. Et puis moi je veux bébé sur les photos avec la baby shower, parce que bon, c'est quand même son arrivée, fêter son arrivée finalement, donc il faut qu'il soit avec nous. Ça sera super sympa de l'avoir avec nous, et du coup de pouvoir le présenter aussi à la famille. Je pense que la maman de Romain remontera à l'occasion aussi, donc comme je pense que les visites seront un peu restreintes, je pense qu'on n'aura pas vraiment de visite à la maternité, donc comme ça, ça permettra du coup de présenter bébé en même temps, donc je pense que c'est une super bonne idée. Et bah, du coup voilà, on a trouvé vraiment pas mal de choses, je suis super contente. Par contre, tout de suite, disclaimer, on va le faire tout de suite parce que pour le coup, on est sur du rose et sur du bleu. Désolée pour les personnes qui ne veulent pas genrer. Je sais qu'actuellement, on est dans une époque où on évite de genrer, etc. Clairement, je vais vous dire ce que je pense. Hein. Clairement, pour le coup, moi, j'adore les couleurs, le rose et le bleu. C'est pas pour autant que je fais jouer mes enfants. Par exemple, Elias, quand il était petit, ben, il a eu une cuisine, il a eu un petit aspirateur, il a joué avec des poupons. Voilà, je lui ai acheté tout ce qu'il voulait, je suis d'accord sur ce fait-là. Il avait aussi des petits polos roses, tout ça. Enfin voilà, c'est pas parce que actuellement je révèle le sexe de mon enfant que dans le quotidien on catégorise filles, garçons, pas du tout. Voilà, c'est juste que en plus dans les magasins, clairement, bah, quand vous allez pour baby shower et pour gender reveal, vous trouvez que du rose et que du bleu quasiment, donc c'est un peu compliqué de pouvoir faire autrement. Vous allez voir un petit peu, c'est ce qu'il y a de plus joli, c'est dans ces coloris là. Et en toute honnêteté, je pense que j'aurais quand même choisi du rose et du bleu parce que je trouve ça joli. Et c'est pas parce qu'on choisit du rose ou du bleu que forcément on genre des choses. Enfin voilà, je suis pas... On est dans une époque où on veut tout modifier, on veut tout rendre meilleur, mais enfin... Pour le coup, après, l'enfant se fait sa propre personnalité, il choisit ses propres couleurs, ses propres jeux. C'est pas parce qu'on fait une gender reveal avec du rose ou du bleu avant l'accouchement que voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, j'ai déjà vu des messages hein, dans le genre, hein, je comprends, hein, c'est plein de bienveillance et tout ça, mais pour le coup, voilà, moi je veux juste fêter mon bonheur avec du rose et avec du bleu, et le reste, je m'en fiche. Voilà, alors en tout cas, je vous montre du coup ce qu'on a choisi. On a pris une petite guirlande comme ça, on a garçon en bleu et on a fille en rose, voilà. Donc c'est marqué fille ou garçon avec des points d'interrogation dessus, franchement trop joli. On est parti du coup sur du rose pâle, du bleu et du doré, donc ça suit trop bien avec la déco qu'on a choisie. On a pris vraiment dans ce thème là, de toute façon pour le coup il n'y avait pas... énormément de choix, mais du coup ça nous a permis d'avoir quand même ce qu'on voulait et de pouvoir faire une gender avec une belle déco. Donc on a pris des photobooths comme ça, donc on a fille ou garçon, future maman, on a des biberons, des body, je vote garçon, je vote fille, enfin voilà, on a tous des trucs comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez, de toute façon vous aurez la vidéo de la gender et je vous montrerai tout ça installé. Là c'est vrai que c'est encore emballé donc on peut pas bien voir. Mais voilà, vous aurez tout ça dans la vidéo, en photo aussi sur Insta, j'ai trop hâte, franchement je kiffe, franchement je passe la meilleure grossesse de ma vie, je vous jure, je suis trop contente, c'est trop bien ces petites fêtes et tout, je trouve ça trop chou et tout, et ça met du baume au cœur. En plus en cette période Covid, clairement, bah on fait pas grand chose et tout, ça donne, je sais pas, là moi je suis surexcitée de faire des petites fêtes, de nous réunir un petit peu. Je vous rassure, on sera pas nombreux, on est 6 adultes et il y aura 2 enfants. Donc voilà, on va vraiment faire en sorte de respecter le Covid et tout. Mais voilà, pour le coup, on sera pas nombreux, mais ça fait quand même plaisir. Il y aura les personnes qu'on chérit le plus, donc voilà, c'est top. Donc là, on a des petites serviettes filles ou garçons qui vont dans le thème aussi. Regardez, je sais pas si vous voulez bien voir, elles sont trop belles, regardez ça. J'adore. On a les petites assiettes aussi, comme ça, filles ou garçons, avec donc des tons pastels bleu et rose.
C'est trop joli, hein. Franchement, moi j'adore. Je suis trop contente, franchement, je suis surexcitée. Donc on va faire également des petits bonbons. D'ailleurs, on a prévu d'aller à la boutique Haribo pour essayer de trouver des bonbons. Désolée, je pense que je vais chercher des bonbons rose et bleu pour mettre dans mes deux petites bonbonnières. On va également faire des cocktails du coup rose et bleu aussi, donc à la framboise, et j'en ai vu pamplemousse avec de la menthe et tout. Donc on pourrait faire, donc j'en ai pris deux, comment ça s'appelle ces trucs là, c'est des distributeurs de boissons. Donc on en a pris deux comme ça, regardez comme ils sont beaux, il y a des petits détails dessus. Et c'est des choses que je vais garder et réutiliser pour les anniversaires, les bonbonnières, ça je vais réutiliser. On a pris également du coup un présentoir à cupcake, parce que je vais absolument avoir des cupcakes aussi. Donc on a mis un petit présentoir comme ça, pareil, ça je le garderai, je pense que je pourrais le réutiliser pour l'anniversaire de Elias et même pour la baby shower. Donc j'ai essayé de bien le conserver, de pas l'abîmer. Ensuite on a pris ce plateau de présentation pour le gâteau. J'ai pris quelque chose de neutre. Généralement ils font soit en rose pâle, en bleu et tout, mais là je me suis dit tiens, comme ça ira avec toutes les décos. C'est quelque chose que tu peux garder, tu peux mettre, finalement c'est un présentoir qui tourne, donc tu peux mettre du fromage, tu peux tout mettre dessus. Donc je me suis dit voilà, ça c'est sympa, ça se garde, parce que souvent la déco que tu achètes, ça se garde pas. Et là je me suis dit non, il faut que tu prennes des trucs que tu peux réutiliser. Donc voilà, du coup j'ai pris ce petit présentoir. Et après on a pris pas mal du coup des ballons, parce qu'on va faire une arche. D'ailleurs je vous montre l'arche juste après. Et je sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'ai commandé des badges. J'ai commandé du coup le ballon avec les confettis. Donc c'est noir avec des petits froufrous rose et bleu dessus. J'ai commandé également du coup des cartes de pronostic. Ben, je pense que je vous l'ai dit en fait dans la vidéo. Je suis en train de m'éparpiller. Donc voilà, du coup on va faire une arche de ballon. Donc on a pris des ballons géants XXL comme ça pour mettre sur l'arche. Donc voilà, désolé, c'est du rose et du bleu. Voilà, on en a pris des petits comme ça, donc pour faire l'arche. Et en fait on va faire donc rose, bleu, et du coup comme il y a du doré, vous voyez sur les petites choses, on a pris également du coup des gros ballons comme ça, dorés, et on en a pris aussi des transparents comme ça. Et on va mettre des petites paillettes dedans, vous savez, des paillettes comme ça, des confettis dorés à l'intérieur. Et comme ça, ça fera une super belle arche. Et d'ailleurs, je vais vous montrer l'arche tout de suite. Mais voilà un petit peu pour la déco du coup, tout ce qu'on a pris, donc de quoi faire une belle arche, des serviettes, des petites choses comme ça. Et du coup il y aura le gâteau qui est trop joli, celui que je veux, donc vous verrez ça le jour J, des petits cupcakes, des bonbons, et voilà, en fait on fait un petit goûter en fait finalement. On fait un petit goûter, puis si jamais ils veulent, je sais pas en fait avec le confinement si on pourra... sinon peut-être qu'on commandera des pizzas, vous savez, pour manger soit le midi, j'allais dire le soir, mais avec le confinement à 18h, non, ça ira pas. Mais voilà, on fera un petit truc très simple, mais on va passer un bon moment avec les gens qu'on apprécie, et ça va être chouette, j'ai trop hâte. Vous voyez, c'est ça que j'ai pris pour faire l'arche de ballon. Habituellement, j'aurais bien voulu en avoir un doré, mais bon, finalement, on va pas voir. J'avais vu des dorés, c'était beaucoup plus cher. Là, pour le coup, on n'a pas payé cher. Je sais pas du tout comment il est constitué, mais on voudrait faire la moitié de l'arche. Donc voilà, on verra un petit peu comment on s'organise. Et c'est quelque chose que je vais pouvoir réutiliser pour l'anniversaire de Elias, notamment, qui est en mars. Donc trop cool. Donc c'est une arche qu'on va pouvoir réutiliser tout le temps, qu'on va garder. Donc voilà. Je suis contente de l'avoir acheté, parce qu'à chaque fois on galère avec nos ballons à acheter de l'hélium et tout. Et là finalement plus besoin d'hélium, hein, on va mettre directement, à chaque fois on fera des arches comme ça, c'est plus simple. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Comment tu t'appelles toi? Elias. Bon là t'es plus coiffée là avec la capuche. Je te coiffe correctement? Bon ça va. Et maintenant Elias et non. Et maintenant et puis tu as non Elias. Ah donc quand tu mets ta capuche t'es Spider-Man, c'est ça? Oui. Ah ok. Et du coup tu fais quoi quand t'es Spider-Man? Tu lances des toiles d'araignée. Et là on va faire quoi là? Et vélo. On va faire du vélo, parce qu'Elias, ça fait un petit moment du coup, ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas été faire de vélo. Et faut toujours que t'apprennes à faire du vélo. Arrête de faire le filou, sinon je te mange tout cru toi. T'es un coquinou. Oui. Tu vas faire quoi alors, du vélo? Oui, vélo. Le vélo, t'es prêt? Mais papa, il y a un truc,
ça y est, moi. Oui. Il faut faire ça. Oui. Et vous y avez fait oui. ça. Alors il explique que papa il a un petit truc derrière, donc on a acheté l'accessoire pour pouvoir maintenir le vélo debout, parce que c'est vrai que ça fait mal au dos. Hein? Et du coup papa il peut t'aider à maintenir l'équilibre et à apprendre à faire du vélo. Tu penses que tu vas réussir aujourd'hui? Oui. Moi, je suis sûre, t'es trop fort. My heart is made of stone. I know it's not my fault. It's just the way it is, love. My childhood was a bore. My feelings got ignored. Now I keep acting out loud. Jouer un petit peu là-bas, il y a des jeux aussi. On aime beaucoup venir ici pour faire du vélo, pour les jeux, tout ça. Elias commence à progresser, c'est encore difficile, mais ça va le faire, on y croit. Bon, petite balade vélo terminée. Donc je vous ai pas filmé beaucoup, mais en fait, si on voit pas Elias beaucoup pédaler, à la fin ça a été mieux. Au début, en fait, comme il n'y a plus énormément ces derniers temps, il n'y a vraiment pas fait beau. On n'a pas fait beaucoup de vélo, du coup on n'a pas été très constant, donc le temps de reprendre à chaque fois au début, c'est un peu difficile pour Elias. Pourtant il a fait de la draisienne depuis ses 2 ans, il a du mal à se concentrer sur son vélo et pas regarder les enfants autour. C'est vrai que du coup on essaie à chaque fois de prendre des chemins où il n'y a rien qui pourrait le déconcentrer. Mais voilà, en tout cas à la fin de cette balade, il s'est mis à bien pédaler, à bien guider le guidon. Donc ça c'est très bien, mais en fait ce qu'on lui apprend surtout, c'est à bien démarrer, à mettre bien le pied au sol, à tenir correctement son vélo pour justement maintenir son équilibre et à bien démarrer. Et en fait généralement il râle parce que du coup Romain il a la barre, vous savez qu'on achète chez Decathlon, c'est une barre qui permet du coup à l'adulte de pas se casser le dos et de maintenir un minimum l'équilibre, mais Romain fait en sorte de presque pas le tenir en fait, de pas l'aider du tout pour qu'il puisse se débrouiller tout seul, notamment au niveau du démarrage. Donc parfois il râle parce que du coup il le tient pas au niveau du démarrage. Il lui dit non mais Elias, c'est à toi de tenir ton vélo. Donc on lui apprend à démarrer, à bien mettre son pied au sol et un pied sur la pédale pour se lancer. Donc là ça c'est bon, ça a acquis le démarrage, on est bien. Au niveau du pédalage, il y a encore un peu d'effort à faire, mais on est de mieux en mieux aussi. Et c'est au niveau du guidage surtout, du coup pour tout... C'est le guidage là où c'est un peu plus compliqué, puis surtout l'équilibre, voilà. Mais en tout cas on va pas lâcher, je pense que les beaux jours vont pas tarder à arriver ici. On va avoir beaucoup plus de beau temps, donc on va pouvoir aller faire davantage de vélo le plus régulièrement possible. On va essayer de faire ça notamment pendant les vacances aussi, donc trop hâte, j'ai hâte qu'Elias sache faire du vélo. En tout cas on va essayer d'être plus constant. C'est vrai que du coup avec le mauvais temps il y a eu beaucoup de pluie, enfin il faisait frais, beaucoup de vent, donc on sortait pas trop, Elias était assez fragile des oreilles, donc on a été prudent sur ce côté là mais voilà, en tout cas il progresse et c'est une très bonne nouvelle, même si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait. Finalement à la fin, les 5-10 dernières minutes, il a bien pédalé, il nous a montré que ça revenait finalement, et tant mieux. Après on a été aussi un petit peu au parc, il a joué, tout ça, ça l'a défoulé un petit peu aussi entre temps, donc ça lui a permis de remonter sur le vélo et d'être plus concentré aussi. Sinon demain, je ne sais pas si je vous ai dit, mais on visite une maison, toujours hein, c'est des maisons en location. En fait nous on pourra à partir de l'année prochaine faire peut-être un crédit immobilier, enfin on sait pas encore comment on va s'y prendre, mais en tout cas on pourra voir pour commencer nos recherches d'achat. En attendant, il faut absolument quand même qu'on déménage et qu'on trouve une location en attendant de pouvoir faire notre projet d'achat. Ça prendra aussi un peu de temps. Donc on est en recherche d'une maison, du coup cette fois on veut plus du tout vivre ni en résidence ni en appartement, ça nous convient pas, c'est pas quelque chose qui est fait pour nous. Donc on a décidé de partir un peu plus loin que La Ciotat.
voilà, en fait on voudrait garder environ les mêmes tarifs qu'on a dans ce logement, mais pour une maison. Mais du coup il faut absolument du coup partir un peu de la Ciotat, parce que en bord de mer c'est pas, voilà, dans le 13 c'est vraiment cher pour le coup. Donc on part dans le 83, dans le 84, enfin dans le Var ou dans le Vaucluse, pour avoir des tarifs plus raisonnables en termes de loyer. Bon, raisonnable, ça reste cher, hein. Ça reste le sud quand même, mais voilà, c'est des tarifs qui sont plus raisonnables et qui nous permettraient d'avoir beaucoup plus de surface. On a du 120 mètres carrés avec 4-5 chambres, enfin voilà, quelque chose de plus sympa. Et là on va visiter du coup une maison qui est super jolie aussi, avec une belle surface, tout est neuf, donc c'est une maison qui est neuve avec un beau carrelage, les finitions et tout sont trop jolies. Donc trop hâte d'aller voir, en sachant qu'on n'a toujours pas eu la réponse pour la première maison. Ils attendaient d'avoir aussi plusieurs dossiers pour prendre leurs décisions. Donc nous on peut pas non plus se permettre de trop attendre d'avoir les décisions des uns et des autres. Donc on continue quand même nos recherches, à déposer des dossiers un peu partout pour être sûr d'avoir une maison avant la naissance du bébé, parce que moi j'aimerais bien déménager pour avril. Ça nous laisse du coup le dernier trimestre de la grossesse pour préparer son arrivée. C'est vrai que du coup là on a du mal à se projeter, j'ai encore rien acheté pour vous dire pour bébé, parce que on est dans l'appartement, j'ai pas beaucoup d'espace pour stocker. Donc c'est vrai que pour le coup j'ai pas commencé à acheter, mais je vais pas tarder, j'ai trop hâte quand on va savoir le sexe. Voilà, je vais avoir trop envie d'acheter des choses, donc voilà, on va commencer tout doucement quand même. Mais c'est vrai que pour le coup j'aimerais bien pouvoir commencer la chambre, j'ai déjà tellement d'idées en plus. J'ai vraiment beaucoup d'idées, j'avais fait mon tableau Pinterest pour chambre fille, mon tableau Pinterest pour chambre garçon. J'ai vraiment trop d'idées, c'est trop joli ce que j'ai trouvé et tout, j'adore. Je suis trop dans les couleurs pastel, un peu arc-en-ciel et tout, que ce soit fille ou garçon, voilà, c'est des choses que j'adore les couleurs, donc voilà. Et voilà, donc j'ai trop hâte de pouvoir commencer la chambre de bébé. J'ai regardé un petit peu les meubles qui nous plairaient, enfin voilà tout ça. Donc il faut absolument qu'on puisse déménager avant, qu'on puisse bien s'installer, prendre un peu conscience des environs aussi, parce que bon, c'est une nouvelle aventure aussi qui nous attend. On sera à 1 heure de la Ciotat, bien que ça se fera rapidement, hein, 1 heure de la Ciotat. En vérité, je vous avoue, ça nous embête de quitter la Ciotat et ses alentours. À la rigueur, ça aurait été ces restes où on aurait pu Gémenos, enfin voilà, les petites villes à côté, ça nous aurait plu. On avait trouvé une petite maison qui était un peu plus chère que le budget qu'on s'était donné. Elle était très sympa, malheureusement elle a été louée très rapidement, ce que je comprends, puisque il y a tellement peu de biens à ces prix là et aussi jolis que ça part très très vite. Donc voilà, à la rigueur, si on a un petit coup de chance, je vérifie quand même tous les jours pour essayer de trouver quelque chose. Mais en attendant, je peux pas me permettre d'attendre trop longtemps, je dépose quand même des dossiers, puis écoutez, on verra bien. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, j'ai encore papoté, mais c'était chouette, j'aime trop du coup reprendre les vlogs, parce que j'ai plein de choses à vous dire, à vous partager avec la grossesse, c'est trop sympa. Et puis trop hâte, hein, cette semaine il y aura la gender reveal, donc vous verrez ça aussi sur cette chaîne, donc voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et on se dit à très bientôt, ciao ciao. I made a note.